Et d'ici quelques secondes va être donné le départ de ces foulées de Sud-Roussillon version 2023. Merci vraiment la totalité des partenaires, des organisateurs. Je ne connaissais pas du tout la région et voilà, ça a l'air très joli. Hier on a pu profiter de la plage. Voilà, j'espère que mon semi-marathon va bien se dérouler. Très bien organisé, merci aux bénévoles. Moi je suis là en vacances, on est de Limoges avec ma compagne, on est venu passer la semaine. Donc l'année dernière on était déjà venu faire 10 bornes, ça nous avait bien plu. Et là cette année j'ai décidé de faire semi, donc j'avais gagné l'année dernière le 10, cette année le semi. Toujours de la chaleur, du beau temps, mais très agréable la course. Allez, plein de force. Allez. Bonjour. Attendez. Bonjour. Merci. 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 Allez. Bon courage. Ben bonjour, monsieur Mélanie. Moi c'est Simon. Et du coup on vient là pour la première fois, c'est la première fois qu'on fait un semi également. Ouais. Votre premier semi. Vous habitez à proximité? On vient de Toulouse. Ouais. Salut. Le plus important, on va faire au mieux. Il y a des gens qui passent, Dominique. Il y en a un qui m'a fait coucou, coucou. Allez Gladys, allez Gladys. Vivement la fin. La bagarre entre les mourous, 26, c'est parti. Et là, ça va être du très très fort, on applaudit. Et c'est le numéro 26, Grenotier, qui termine le premier du 21 km. Alors vous demandez évidemment de bien vouloir les applaudir toutes et tous lors du passage de la ligne d'arrivée sous la Grande Arche. La locale de l'équipe, elle avait déjà remporté l'année dernière les foulées de Sud-Roussillon la première année. Bien évidemment d'être venus aussi nombreux à l'occasion de cette troisième édition des foulées de Sud-Roussillon. Un merci tout particulier à la municipalité d'Alénia et à la personne de son maire pour son accueil, sa générosité, sa gentillesse, ainsi que tous les services techniques, ainsi que la communauté de communes de Sud-Roussillon pour ce travail accompli. Les premiers du séminaire. Une année de travail pour un événement de qualité, basé sur les valeurs du sport